peux ramener la carafe, s'il te plaît, d'eau. J'ai déjà le verre. Hein. Je veux juste la carafe. Partagez, partagez, partagez. Faut se connaître ton partage. Bon, on se connecte avant de commenter, partager. Avant de commenter, il faut d'abord partager. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour. Un petit peu grippé, mais ça va. Donc, on se connecte, on se connecte, on entre, on se connecte, on partage, on entre, on se connecte, on partage, on tapote, non. On partage et on like à force de fréquenter la couleur, le différent. On partage, on envoie dans tous les groupes, on partage, on envoie dans tous les groupes, on partage, on envoie dans tous les groupes. Que ça aille aux États-Unis ou pas, non, on s'en fout. On s'en fout. La pétition sera mise en direct sur ma page. Le titre de la pétition, le titre de la pétition est clair. Le titre de la pétition est clair. Attendez. Le titre de la pétition, c'est stop à l'assassinat de l'abbé Samé, de l'influenceur de l'abbé Samé. C'est ça le titre, l'assassinat.
Bon, on va un peu revenir sur... Je prends d'abord mon... Bon, on va se concentrer. Nous ne sommes pas là. Moi particulièrement, je ne suis pas là pour entrer en guerre avec Israël. Il y a un petit Congolais qui vient de tomber là. Il y a un Congolais qui tourne qu'apparemment. On a coincé, apparemment, un moteur coincé à l'aéroport, que le Tchad, est bien à Edaï. Voilà le Congo, ça qu'on vient de sortir. Bon, il faut vérifier si le Congo, ça est vrai ou pas. Bon. Il y a beaucoup de soutien aussi. J'ai vu l'ancienne TKC qui a dit que oh, je soutiens mes sangs. L'ancienne TKC qui a dit que je soutiens mes sangs. Comment on appelle encore la fille là? Pardon, écrivez un peu son nom, s'il vous plaît. Écrivez un peu son nom, s'il vous plaît. Je cherche un peu son nom. Attendez. Je cherche son nom. Non, pas... Non, ça c'est que... comment on appelle encore la gola? Oui, merci Vanessa. Moulema. Moulema. Et juste pour te dire que le téléphone que tu as donné à Compressor. Non, Moulema, juste pour te dire que le téléphone que tu as donné à Compressor, tu as oublié de vider la corbeille. C'est en passant. Si tu veux, je te montre un aperçu de ce qu'il y a dans le téléphone là. Ouais. Voilà pourquoi c'est très important. Quand vous donnez le téléphone à quelqu'un, rassurez-vous que vous avez remis ça à la remise de... Mais quand on est blogueur, casse, ne donnez jamais votre téléphone. Parce que... Je voulais seulement te dire... Et comme j'ai dit à Compressor, comme c'est moi qui ai débloqué ce téléphone, la poubelle de ce téléphone est dans mes mains. Je peux te donner une description pour que tu comprennes. Je peux te donner la forme du oui de ton mari. Mais pour te montrer que j'ai, je vais mettre la photo que j'ai trouvée à l'intérieur sur mon statut WhatsApp. Vous entrez comme aide-moi à détester. Vous allez me trouver devant vous. Je vous avertis. Vous entrez comme aide-moi à détester. Vous allez me trouver devant vous. Et violent.
Maintenant, si vous venez avec les preuves, comme quoi moi je ne suis pas d'accord, je pense que Messan a raison, vous mettez vos preuves et on parle. Mais si c'est le aide-moi à détester qu'on connaît là, chaque personne qui va frôler va prendre cher. Mais toi, maman, commence d'abord par t'écarter. Voilà, tout le monde sait que tu... Hein? Mais personne ne sait ce que j'ai. Là, tu es surprise. Là, maintenant... Tu ne savais pas que c'était là. Le téléphone que Comprenos utilisait, c'est le téléphone de ton mari, non? Ok. Je pense que j'ai bien parlé. Et si tu doutes, je te montre un exemple. Voilà. On ne défend pas un assassin. Je vois beaucoup de personnes dire que Ngo, la baisse à Mengo, les États-Unis. Vous n'êtes pas la préfecture. Les autorités s'en foutent. On vous a dit. J'ai l'impression que vous pensez que le Congo, ça minable que vous faites dans les réseaux sociaux, a un impact. Deux fois, vous me faites rire. Deux fois, vous me faites. Vous pensez que ça a un impact? Ça n'a aucun impact. Dans la plainte, et je tiens à vous le dire, je vais d'abord vous montrer la pétition et on va la lire ensemble. Tu as la farine sur le t-shirt. Oui, c'est le truc là. Normal, laisse. Maman, non, moi je vis normalement. Hein. Je vis normalement. Je ne suis pas là pour montrer aux gens que vous. Oh. Comme il faut dire, t'as fait, tu veux laisser. Non, tu ne peux pas. C'est... Voilà la pétition qui sera mise en ligne. Voilà la pétition qui sera mise en ligne. Sur ma page tout à l'heure après le live. Stop à l'assassinat de l'influenceur et la Bessamé. La brigade des patrouilles camerounais par le biais de son président Amer Kamel lance cette pétition pour sensibiliser l'opinion publique internationale de la tentative d'assassinat et séquestration de l'influenceur et la Bessamé par Jean-Louis Messan. J'aime le code de la mort, le code de. Le commanditaire de cet acte. Attends, je clique dessus pour qu'elle s'ouvre beaucoup plus. Le commanditaire de cet acte suite à une. Là, qui a été le commanditaire de cet acte suite à une rupture de contrat entre. Voilà, attendez. Voilà. Attends, c'est parti, voilà. Ok. Voilà, pétition, merci. Voilà, ok, c'est bon. Donc, suite à la rupture de leur de la tentative d'assassinat et séquestration par l'influenceur Jean-Louis Messan, le commanditaire de cet acte. Suite à une rupture de contrat entre les deux influenceurs, Jean-Louis Messan décide de ridiculiser son collègue influenceur, la Bessamé, dans les réseaux sociaux. Celui-ci décide de riposter en versant dans les réseaux sociaux tous les échanges sur leur mode de travail et de fonctionnement. Jean-Louis Messan, ne supportant pas ses vérités, décide de financer son assassinat, son kidnapping, via des commanditaires installés au Maroc. Raison pour laquelle nous lançons cette pétition pour que... Nous lançons cette pétition pour éradiquer ce monsieur Jean-Louis Messan dans les réseaux sociaux et pour soutenir les plaintes déposées, pour soutenir nos plaintes et informer l'opinion pour plus de la dangerosité de ce monsieur. Je vous remercie d'avance de partager, de liker massivement cette pétition. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de liker massivement cette pétition qui a été déposée par la Brigade des Patriotes Camerounais. Et après, nous allons mettre une main courante. Nous allons aller au commissariat avec tout ce que nous avons reçu. Et nous allons demander l'interpellation de Jean-Louis au cas où il frôle le territoire français. Nous allons voir et nous allons voir dans quelle mesure on peut faire pour essayer de déposer ça dans la localité où il vit. Et pour qu'on dépose ça dans la localité où il vit, il faudra que nous signions cette pétition. Il faudra que nous la signions massivement. N'oublions pas que, et je vous dis, ceux qui sont allés tuer Martinez Zogo, c'était pour les téléphones. Ceux qui sont allés tuer Martinez Zogo, c'était pour le téléphone. Est-ce que vous allez laisser
Et en passant, j'ai aussi créé un groupe de signalement. Donc, vous allez voir sur ma page, je demande à tous ceux qui sont pour Amer Kamer d'entrer dans ce groupe de signalement. C'est un groupe qui nous permettra de partager des lives. C'est un groupe qui nous permettra, je veux à l'intérieur des gars prêts. Si vous voyez une vidéo d'Amer Kamer quelque part qu'un forum de Congo ça a coupé, vous signalez massivement cette vidéo pour propriété intellectuelle. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Je veux un groupe, il faudrait que le groupe ait plus de 500 personnes. Avec pour rôle de fouiller tous les réseaux sociaux. Le forum de Congo ça maintenant, où il y aura une vidéo d'Amer Kamer qui n'a pas été validée par Amer Kamer, vous signalez, et croyez-moi, une fois que vous signalez une vidéo pour propriété intellectuelle, ils vont enlever le streaming sur les vidéos, tout simplement. Donc, je ne peux pas travailler, passer mon temps à décrypter. On me dit que toi, tu ne fais rien. Ce n'est que ça que tu as fait. Quand je viens parler, ils coupent ce que moi je parle, ils vont maintenant. Donc, moi, je ne fais rien. Nous, on ne fait rien. Mais vous coupez nos vidéos pour aller mettre. Parce que vous ne voulez pas chercher. Parce que vous ne voulez pas vous impliquer. L'assassinat de l'abbé, ça n'est pas un jeu. Je m'en fous que mon grand frère soit Bassa ou Bamleke, ça allait être le même résultat. Ça allait être le même résultat. Avant d'entendre dans le vif du sujet, la baronne de Suisse, mes condoléances les plus attristées à toi et à ta famille. Tu as perdu quelqu'un de très cher pour toi. Moi, il y a 2 ans et demi, je perdais ma compagne. Donc, je sais ce que c'est. Je te dis vraiment, vraiment beaucoup de courage. Vraiment, vraiment. Attends, je regarde sur le salopard qui a insulté ton mari à faire. Au moins, attends, moi, fais mes condoléances. Attends, je regarde. Un bushman comme ça. Vérifie s'il a fait les condoléances à la baronne de Suisse. Donc, je disais donc. Oui, bonsoir. Tout le monde dit, tout ce qui commente partage. Je voudrais que tout le monde, on ne peut pas être 500, on n'a même pas 500 partage. Partagez au maximum, partagez au maximum. Bloquez-moi ALM, automatiquement. Tous ceux qui vont commenter et qui ne seront pas bloqués. Et qui, tous ceux qui vont commenter, attends, je te bloque moi, je te bloque personnellement. Ok. Je n'ai pas bloqué. Non, je l'ai bloqué. Je n'ai pas besoin qu'un assassin me réponde. Nous sommes dans un cas d'assassinat. Vous avez compris? Et on va aller très loin. Avec les preuves qu'on a, on va aller très loin. Pour que quand vous commencez les menaces dans les réseaux sociaux, sachez que ça peut se retourner contre vous. Parce que pensez que comme c'est les réseaux sociaux, on peut menacer tout le monde. On peut télécommander. Il faut que moi, je vais me servir de mon grand frère comme leçon. Une fois qu'on va atteindre, c'est-à-dire que signer cette pétition le plus rapidement possible. Signer cette pétition le plus rapidement possible afin que nous atteignions vite le nombre de signatures requis et comme ça, tout le monde pourra se baser de cette pétition pour faire une main courante, que ce soit en Allemagne. Et je ne sais pas, parce qu'on ne m'a pas vraiment autorisé de mettre beaucoup plus de photos. Et j'allais mettre toutes les pièces, de toute façon, ce que je vais faire tout à l'heure. Je vais mettre toutes les pièces à conviction qu'on a à ce niveau-là. C'est ce que nous allons faire. Bon, maintenant, je vais encore entrer dans un autre, on va encore évoluer. C'est bel et bien le nom de Messin qui a envoyé cet argent. Il a attesté par des messages WhatsApp, par des messages audio. Vous savez, là où il est en agonie totale. Il est en agonie totale.
Il n'a pas encore présenté ses excuses jusqu'à présent parce qu'il pense qu'il est faux. Chaque fois qu'il fait un post, avant qu'il ne supprime vos commentaires, venez seulement mettre 19, 95, 91, 85. C'est le code de la mort. C'est l'assassin, monsieur l'assassin. 19, 95, 91, 85. Le code de l'assassin. Partagez massivement. Partagez massivement. Vous voyez, quand on est dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens pensent qu'on est en famille, mais on n'est pas en famille. Il y a certaines personnes qui ont raté leur vie. Il y a certaines personnes qui ont raté leur vie, mais qui veulent qu'on leur donne la gloire dans ce qu'ils nous montrent. Qui veut qu'on les glorifie dans ce qu'ils nous montrent. Qui ont honte de leur propre travail. Qui ont honte de leur propre travail. J'ai écouté le live de Gluta Cosmétique. Gluta Cosmétique. S'il y a des balles qui peuvent toujours compromettre, qui peuvent augmenter la discrimination de ce monsieur, il faut les donner. On ne dit pas que je n'ai pas encore tout versé. On verse tout dans le moulin, on écrase les condiments, on balance le machin devant. Les gens qui ont l'habitude de dire, je grimpe bien mon cocotier. Je grimpe bien mon cocotier. Les gens qui ont l'habitude de faire des lives sans qu'on ne voie leur figure, leur visage. Faites attention à ces gens. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un phénomène qui, en plus, veut dérouter les gens en parlant du Maroc, en parlant des États-Unis. Vous n'allez pas nous distraire. Nous devons mettre un assassin hors d'état de nuit. Go, la baisse avec les gens aux États-Unis. Non, ça ne nous intéresse pas. C'est l'assassinat de l'abbé Samé manqué qui nous intéresse. C'est l'assassinat manqué de l'abbé Samé qui nous intéresse. Ça, ne l'oubliez pas. Oh, les femmes qui viennent dans les réseaux sociaux, c'est pour l'indulgence, c'est pour soutenir son dossier. Vous êtes malade. On vous a dit qu'on vous gère. On vous a dit que quand tu déposes ton dossier quelque part, on gère le Congo, ça de Facebook. Nous sommes sur l'assassinat et je vous demande de signer cette pétition au maximum. Au maximum. La dernière fois, il a fait intervenir quelqu'un. Demandez-lui encore, je lui mets au défi. Fais encore intervenir cette personne dans ton live. Et je te mets encore au défi. Fais encore intervenir cette personne dans ton live, on voit. C'est simple. Fais encore intervenir cette personne dans ton live non-voix. Et je te lance un défi. Qui s'appelle Fadiga? Un gars de Bédi. Vous savez, il y a un TikTok qui dit que quand c'est ton jour de chance, quand c'est ton jour, quand tu vas vers la gloire, même des obstacles deviennent des avantages. Même des obstacles deviennent des avantages. Tu vas aller chercher un gars pour décrédibiliser l'abbé Samé. L'abbé Samé n'a jamais vu ce gars. La baisse, elle n'a jamais vu ce gars. Maintenant, je te mets au défi devant tout le monde. Nous sommes 500. Appelle encore le gars, on voit. Appelle encore le gars, on voit.
Quand vous aimez vivre pour le regard des gens. Quelqu'un dit, oh, amen, amen, tu ne sais toute ta vie. Oui, je suis d'accord, comparons nos deux vies. Tu as quoi au Cameroun? Tu as quoi au Cameroun? Attends, attends, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Ça, je n'avais pas prévu ça. Je vais faire quelque chose juste pour ton mal. Attends. Ah non, 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 mais attends. Avant de faire ce que je vais faire là, je vais d'abord faire autre chose même. Avant de faire ce que je vais faire, je vais d'abord faire autre chose. Je vais d'abord faire autre chose. Avant de faire ce que je vais faire là. Direct Kamandumba, Sembondo, c'est la reine galloise. Amen, Kamel, Amen. La reine galloise est chez toi. Elle est rentrée avec le plantain bio, naturel. Le bon macabo, la viande de brousse. On avait la reine galloise, Kamandumba. Merci. Merci. Voici le bijou de la reine galloise. Je n'étais pas là. Mais voilà ce que Mbondo a envoyé dans mon téléphone. On peut faire ça pour toi. Je te fais encore écouter. La reine galloise, quand tu pars de Douala pour Yaoundé, envoie-moi un message seulement à Amer Kamé, je pars de Douala. Quand tu vas arriver à Mandouba, tu vas avoir 10 régimes de plantain qui t'attendent. Tu charges seulement, tu continues la route. Tu charges seulement, tu continues la route. Quand tu pars de Douala ou de Yaoundé, appelle-moi seulement 2 heures avant, le temps que les motos entrent en brousse. Tu as compris avec quoi? Je remets encore. Montre-moi où on va faire ça pour toi. Tu as me dit que c'est une vidéo montée. La reine galloise est passée dans mon village. Il était. Une bande m'a appelé à quelle heure. Bon. Elle est passée à 10h. Quand Bondo m'a appelé, il était 10h. Quand on dit à mère, Kamé. Quand tu dis qu'à mec, tu as fait quoi? Tu as vu ce que j'ai fait? Montre si on voit. Voilà. Tu es Kamandumba, c'est Mbondo, c'est la reine galloise. Amec, la reine galloise est chez toi. Elle est rentrée avec le plantain bio, naturel. Le bon macabo. Maintenant, je vais encore te, je vais encore on te faire. La reine galloise, Kamandumba. Merci. J'ai fait le montage. Bon, maintenant, alors, je vais encore déranger. Montre ce que tu as fait dans ton village. Et même quand la reine galloise passe, elle sait déjà que Mandumba. La reine, la prochaine fois que tu pars de Douala, avertis-moi, tu vas venir trouver que non, ton régime t'attend pour l'orphelinat. Vous venez les vies. J'espère que les gars ne sont pas en train de dormir, ils ne sont pas allés boire. C'est samedi aujourd'hui, non? J'espère que les gars ne sont pas allés boire. Non, bref, il n'a pas vu, mais il va rappeler tout à l'heure. On peut faire ça pour toi. On peut faire ça pour toi. On peut pas. On ne peut pas faire ça pour toi. La reine galloise, chaque fois que tu pars de Douala, j'ai le premier contingent de production, c'est à partir de janvier. Chaque fois que tu descends, ou bien quand tu sais que tu n'as rien à faire, tu envoies une voiture vide. Si tu envoies une voiture vide, je te mets 20 régimes à l'intérieur. Le régime de plantain, c'est 4000. 20 régimes, voilà ma part de 80 000 que. Ouais, voilà ma part de 80 000 que j'envoie. Je ne donne pas l'argent, hein, mais je donne la nourriture. C'est ça ma puissance. C'est ça la puissance. On continue. On est sur l'assassinat, sur la tentative d'assassinat de l'abbé Samé. Nous sommes là-dessus. Va pleurer dans les inbox des gens, c'est ton problème. Pleure dans les inbox des gens, c'est ton problème. Tu vas nous dire pourquoi tu voulais tuer notre fils.
Tu seras blacklisté des réseaux sociaux. Fais-moi confiance. Par la plus bonne des méthodes. Par la plus bonne des méthodes. En bas, ça, on dit que Maldir ne sauve. Tu montes des gens. Oh, il ne pouvait pas envoyer les messages là. Ce n'est pas lui qui a fait le mon écran. Jusqu'à tu pars manipuler. Rien que au point où on pousse à envoyer l'argent. On pousse à envoyer l'argent aux gens comme ça là. Tu envoies l'argent à quelqu'un que tu as donné lui une bonne correction. Tu envoies l'argent à quelqu'un. On dit que on a envoyé ça comme ça là. Prenez les gens pour les fous. Il faut envoyer le PayPal. Le travail qu'il fait là, c'est difficile, oui. Il dort dans les voitures en bain. Au moment qu'on passe dans mon village, j'en mange. Mm-hmm. Qu'on passe dans le village, les gens mangent. Après, on va commencer à afficher les preuves. Un assassin. Martinez Ogo. On partait prendre deux téléphones de Martinez Ogo, on a tué le gars. Si la baisse, ça m'arrivait là-bas sans ce téléphone, et qu'on le coupait une chandelle, que sa tête tapait quelque part, il mourait. C'est qu'on ne dit pas ça ici aujourd'hui. C'est qu'on ne parle pas comme ça ici aujourd'hui. Parce qu'on est un criminel. On est un criminel. Tentative d'assassinat, les preuves sont là. On voit les bêtes personnes commencer à discuter. Que chacun se mette dans sa glace et pense que si Martinez Ogo était mort, pourquoi? On n'a jamais donné l'ordre d'aller tuer Martinez Ogo. On a donné l'ordre d'aller donner une bonne leçon à Martinez Ogo. La bonne leçon de Martinez Ogo, c'est-à-dire que quand vous allez signer cette pétition, pensez à Martinez Ogo. Pensez à Martinez Ogo. Quand vous allez signer cette pétition. Parce que quelqu'un ne peut pas être aussi cynique, aussi sadique, de marcher sur son propre sang. Il va se lever en public. Il va se lever en public pour dire que mon fils, je ne veux pas parler de ton dossier des États-Unis. Que tu peux faire quoi dedans? Tu as déjà aidé qui? Tu as aidé qui? Dis-moi un peu. On a donné la force à ta part. Tu nous as remercié. Tu nous as remercié. Pendant que tu ramassais les 1000 euros. Le soir, tu as ramassé 1000 euros à Gluta. J'étais dans ce live-là. Oui. Parce qu'elle m'a bien insulté dans le live-là le jour-là. Elle avait le droit de m'insulter. Je comprends pourquoi tu prenais son camp. Tu venais là prendre 1000 euros. Et je suis sûr qu'elle avait dit que non, je vais essayer de faire pour que Flore aussi parle de ça. Le jour là, Gluta m'avait lavé dans le live la mal. Elle a donné 1000 euros, c'était normal. Tu nous invites dans un panel, tu ramasses l'argent, tu ne donnes à personne. Tu viens te plaindre qu'on a raté nos vies. Tu manges l'argent, la monétisation comme nous. Tu fais les courses de chez Lidl comme nous. La seule différence... C'est que nous, on n'est pas endetté à travers l'Europe. Parce qu'on veut plaire aux soirées. La seule différence, c'est qu'Amoud n'a pas séquestré notre cerveau. La séquestration de ton cerveau par Amoud, c'est grave. C'est grave. Je ne sais même pas si on t'a invité au mariage de Seke. Est-ce que tu t'es invité au mariage de Seke? C'est Comprends ça, est-ce qu'il était invité au mariage de. Le mariage à la venue au la CP? Il a pas répondu un peu s'il était au mariage là. C'est incroyable. Pour amouiller les gens. On n'a jamais été avec toi. Il ne pouvait pas venir. Gluta Boss allait payer avec quoi? Il ne pouvait pas venir. Quelqu'un qui est réputé pour être endetté.
Maintenant, c'est lui qui se plaint. Va porter plainte. Quand je suis en live et que je parle de mon grand frère, je ne plains personne. Je le traite moi-même parce qu'il ne peut pas me dépasser. Je sais. Il était pour le mariage, voilà. Il est venu au mariage comment? Là, l'argent. Quelqu'un qui a Amouta séquestré son cerveau, il a mis derrière le coffre de sa voiture. Voyez comment c'est dangereux de vivre sous l'ombre de quelqu'un. Voyez comment c'est dangereux. Parce que tu ne vois plus, tu es aveuglé. Et ce qui fait mal dans l'histoire, ce n'est pas les Bamlékés, les Béti ou les autres qui le tabassent. C'est qu'il est en train de se faire tabasser par sa propre famille. Vous devez imaginer un peu que si tu te fais tabasser en public par ta propre famille, restez à distance. Restez à distance. Si tu te fais tabasser en public par ta propre famille, restez à distance. C'est la honte de l'histoire. Père qui fait le cauchemar pour Amout. C'est sûr qu'il est là comme ça là. Amout, 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 Amout. Il est là comme ça là. Amout, t'as fait quoi? Oui, Amout. Amout, il est ton anniversaire des enfants. Il n'a même pas honte. Regarde comment Greta Bo te ridiculise. Regarde comment Greta Bo te ridiculise. Tu as entendu que la femme d'amour fait le drop shopping. Tout de suite, tu allais créer ta part. Ouais, toute une vie. On dit que tu es livreur. Tantôt, on dit que tu es banquier. Moi, peut-être, on peut dire que tu livres à la banque. On peut dire que tu livres à la banque. Parce qu'on dit que tu es livreur, en même temps, tu es banquier. Peut-être, tu es le livreur des banquiers. Hein? On dit que l'inscription pour aller. Allez encore, qu'on vous escroque là-bas. On dit que l'inscription pour chez la PTT, c'est combien? 250 euros. C'est l'argent de popote que vous lui donnez. C'est l'argent de popote que vous lui donnez. Allez encore. Vous voyez l'état d'esprit. Vous êtes dans les PTT, on parle que de lui. On parle que de lui. On ne parle même pas des membres qui sont à l'intérieur. On ne parle que de lui. Il vous a conditionné que non, on ne doit pas vous connaître. Vous ne devez rien faire. On vous a conditionné, on ne parle que de lui. Dites-moi une chose qu'il a déjà fait. Il va aller travailler. Moi, il fait comment? Il ne fait pas livraison. Il va dire que quelqu'un mange l'argent de la monétisation. Il vient raconter des histoires. Il mange bien l'argent de la monétisation. Voilà pourquoi il est obligé de faire des vidéos. Il sait que s'il fait 2-3 jours sans faire des vidéos, la monétisation va chuter. Ça va chuter. On sait ça tous, non? Voilà pourquoi il est obligé. Il est coincé pour ça. Il a honte. Si Djoum dans le chat, on le fracasse. On a dit que c'est facile. Il a dit que ça peut être propre. Mais c'est lui qui est en train de marcher derrière les Féman. C'est lui qui est en train de marcher derrière les Féman. Quelqu'un qui a laissé sa propre famille. Vous imaginez un peu. Comment quelqu'un peut laisser sa propre famille nucléaire? Courir pour aller à la soirée de Renker. Courir pour aller à la soirée de Renker. Vous ne pouvez pas imaginer. Il laisse sa propre famille. Je me rappelle que la baronne avait dit, la baronne lui avait, le roi Salomon avait dit que laisse-moi changer la date parce que Flo fait le même jour. Apparemment, d'après les dires de la baronne, c'est lui qui avait dit que non, laisse ça le même jour là. Laisse ça le même jour là, je serai là. À la dernière minute, il a fui.
S'il vous plaît, vous partagez maintenant. Il n'y a que 60 likes. Ce n'est pas bien. Combien de partages? Il y a 148 partages. Les gars, on met ça à 500 partages. Là, maintenant, je vais arrêter le live et on commence à partager d'abord. On partage. Partagez, like en même temps. Partagez, like en même temps. Là, on commence d'abord. On commence. On est à. Vous ressortez du live, vous likez, vous partagez, vous entrez, vous likez, vous partagez. Chacun, je ne vous demande pas beaucoup. Que chacun fasse seulement 5 partages. Envoyez ça à 5 personnes ou bien à 5 groupes. C'est tout ce que je vous demande. Et surtout, abonnez-vous au groupe de partage. Vous tapez groupe de partage Amer Kamer. Vous allez tomber dessus. Attendez, je vais aussi vous montrer. Et après, vous tombez aussi sur le groupe de partage d'Amer Kamer. Non, c'est marqué groupe de signalement. Voilà ça. C'est marqué groupe de signalement Amer Kamer. Vous tapez groupe de signalement Amer Kamer. Vous entrez à l'intérieur. C'est ma photo que vous allez voir dedans. Il y a combien de personnes dans le groupe? Voilà. Donc, on commence à partager, on partage, on partage, on partage, on partage. Je ne suis pas obligé. Regardez un peu. Je ne peux pas être en train de parler. Je m'arrête pour vous demander de partager. Non, ça doit venir de vous. Quand vous ancrez là. Vous avez peur parce que vous êtes abeille? Vous avez peur parce que vous êtes cassé? Vous avez peur parce que vous êtes lolo? Partagez. Partagez. Et je vais même dire le bon partage, c'est d'envoyer ça là les gars qui me détestent le plus. Voilà. Merci Nicole Bassama. Voilà. Attends, on a combien de attends. On a combien de partages? Je vérifie. On est encore à 161 partages. On est encore à 161 partages. Et nous sommes plus de 500. Normalement, si chaque personne fait 5 partages, on n'a pas besoin d'une minute. Vous likez, vous partagez. Vous likez, vous partagez. Attends, je vérifie encore combien de partages. C'est bloqué chez moi, 160. Il y a les gens que je calcule ici. En plus, vous n'avez pas partagé. Si vous glissez seulement un peu dans mon piège, j'en bouffe. Oui, Nounour, tu as partagé. Oui, Nounour, tu as partagé. Tous ceux qui commentent doivent obligatoirement partager. Et par respect pour le live, vous devez partager. Liker, partager, c'est gratuit en fait. Un truc qui est gratuit. Un truc qui est gratuit. Oui, non, non. Toi-même, tu as les atouts écrits ici. Attends un peu. Bloque moi, c'est un bracata. Ok. C'est pas moi. Tous ceux qui ne partagent pas, tu bloques. Même si ce sont mes gens. Ouais. Là, il lit le. Flo, tu as partagé ouf parce que ça n'apparaît pas sur ton site. Flo n'a pas, non, on compte que les partages de Facebook. Si tu partages sur WhatsApp, ça n'apparaît pas. On compte que les partages de Facebook. Vous partagez ailleurs, ça ne compte pas. Partager sur Facebook. Donc, je regarde encore. Ça apparaît. Quand le bonhomme avec la flèche apparaît à côté, ça confirme que vous avez partagé. C'est monté à 167 partages. Toi, tu as combien de partages chez toi là-bas? 168. Il faut des likes aussi, les gars. Vous êtes voilà, 700. Ça ne ment pas. Vous êtes plus de 500. Vous êtes, on va dire même 700. Vous êtes 700, il n'y a que 74 j'aime. Vous êtes 700, il n'y a que 74 j'aime. Il n'y a que 167 partages. Et Lorraine a partagé, grâce aussi à partager. Tout à l'heure, le bonhomme apparaissait sur elle. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on fasse des 500 partages. Avant de continuer de là, jusqu'à ce qu'on fasse des 500 partages. Et nous allons lancer la pétition en direct. Et nous allons lancer la pétition quand nous allons atteindre 1000. Quand nous allons atteindre 1000 personnes, nous lançons la pétition
pour la mise hors d'état de nuire du grand frère. Vous pouvez partager sur vos pages. Si vous avez trop peur qu'on voit, vous pouvez supprimer même 2 heures après ou après le live. Quand le live est fermé. Vous êtes là, vous m'imbaillez que vous avez honte de partager. Quand vous écrivez, si vous croyez que vos proches ne voient pas vos commentaires. C'est incroyable. Tu viens écrire les commentaires ici. Quand tu commentes une publication, tous les gens qui sont abonnés à toi ou qui sont tes amis voient que on a 177 partages. On a 177 partages. On continue. Je reprends à 500 partages. On se met tous au travail. Donc, partager est mieux que les commentaires. Nous est bon que certains mettent souvent ici. Vos familles voient vos commentaires. Vos amis voient vos commentaires. Les gens avec qui vous travaillez voient vos commentaires. Mais vous n'avez pas honte de mettre un certain genre de commentaires sur les pages des gens. Mais vous avez honte de partager. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, franchement. Merci, Jacqueline. On a 81 j'aime, on a 182 partages. Ça veut dire que dans les 182 partages, ça veut dire qu'il y a à peine, il y a presque 600 qui ne veulent pas partager, mais ils sont quand même là. Sans compter ceux qui sont à la fenêtre. À la fenêtre, ouais. Il y a une qui est venue me menacer jusqu'à mon inbox. C'est ma magie. Donc, je regarde encore le nombre de partages. On reprend à 500 partages. Si on n'a pas les 500 partages, je ne reprends pas de l'âge. On a combien de partages? C'est toujours à 185 partages. Bloque-moi Stan Bakata News. Elle vient d'écrire encore. Il y a Stan Bakata, tu as bloqué. Rebloque encore Stan Bakata News. Tu bloques Nikki Mobi. Maintenant, elle vient écrire ma BS. Pourtant, on voit bien que tu es la même personne, en fait. Bloque tous ceux qui vont commenter là, qui n'ont pas partagé, tu les bloques tous. Donc, tu bloques Stan Bakata News. Tu bloques Nikki Mobi. Ouais, attends, elle va partager. Aussi leur apprendre. Non, ça c'est marqué. Celui qui commente doit obligatoirement partager. Vous voyez la flèche qui est en bas là, à côté de la barre pour commenter. Cliquez dessus, c'est ça qui sert à partager. Cliquez dessus et Facebook va vous indiquer la marche à suivre. Vous sortez du live, vous le likez. C'est pas compliqué ce qu'on vous demande quand même. Oui, Caroline, tu as partagé. Ça se voit que tu as partagé. Parce que quand tu partages, le bonhomme se voit. Ça se voit qu'Amourine a partagé. Ça ne me fait pas plaisir de bloquer les gens, mais vous devez arrêter la sorcellerie. Non, maman, quand les Ivoiriens, s'ils ont les vues qu'ils ont, c'est parce que leur public, ils partagent. C'est gratuit. Voilà. C'est la moindre des choses. Arrêtez d'être si méchant. On a les chefs d'entreprise qui sont assis dans leur bureau, ils regardent nos lives, mais ils veulent m'imbarquer, ils sont trop grands, ils ne peuvent pas partager. Arrêtez ça. Vous êtes dans les groupes partout. Surtout, n'oubliez pas de prendre votre abonnement.
Après, on va faire spécial abonnement. Vous cliquez là, ça va apparaître 5 euros par mois. En gros, c'est 4,99 € par mois. Donc, vous prenez votre abonnement par mois. Parce... On ne le voit pas. Attends, je vais vous faire ça. On vient en arrière, on ne voit pas. Non, attends, je vais décaler un peu comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez ici. Vous voyez ici, vous mettez, vous cliquez là. Ça va vous marquer abonnez-vous. Et vous vous abonnez sur la page d'Amer Kamer. Ça, c'est le badge des abonnés. Ça coûte 4,99 € par mois. Les abonnés payants. Parce qu'après, on va commencer à faire des lives sur les abonnés payants. Là-bas, on va donner les vraies balles. Donc, vous voyez. Et pour partager, pour ceux qui ne connaissent pas, pour partager, vous cliquez là. Attends, voilà. Vous cliquez là. Ils n'ont qu'à fuir. Ils servent à quoi? Donc, voilà. On va rester avec ceux qui veulent partager. La qualité des abonnés est plus importante que la quantité. La qualité des abonnés est plus importante que la quantité. Non, café. Léanga, tu n'as pas encore partagé, donc il faudra partager. J'ai dit que tous ceux qui veulent commenter, partagent d'abord. Je ne m'appelle pas Orshiga, c'est Oshiga. Donc, salut Pamela. Et fais attention aussi parce qu'il y a des gens, il y a des partages parfois qui n'apparaissent pas aussi. Non, celui, maman, si tu n'as pas vu la tête, tu partages. Regarde Pamela, je suis sûr que Pamela n'a pas partagé. Pamela, tu n'as pas partagé. Mais ça n'apparaît pas. Voilà. Tu vois, elle a partagé. Ça fait à combien de partages? J'ai réussi le nombre de partages. On a 196. On n'est pas encore à 200. Mais vous allez faire les 500. Vous allez faire les 500. Pour avoir les informations, le décryptage, je devrais commencer à 22h. Parce qu'on a des nouveaux audios qui sont arrivés. Les audios que j'ai commencé l'autre jour, qui décrédibilisent complètement mes sangs. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que je peux me permettre sans commentaire? Je peux? Il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que les gens sont en train de parler que oh, sa mère devait voyager. C'est pour ça qu'il a créé ça. Quel est le rapport? On sait tous que sa mère, tous les gens qui sont au Maroc veulent voyager. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Et en quoi le fait que sa mère veuille voyager prouve que ce qu'il dit est faux? Même s'il veut voyager, en quoi ça prouve que Pan Jansan n'a pas vraiment envoyé les gens sur lui? Ça prouve quoi? Donc, parce qu'il veut voyager, c'est ça qui... Bon, comme il veut voyager alors et qu'il a inventé, pourquoi Jansan est venu mettre le nom de la baronne et des niades dedans? On est à deux... C'est lui qui est au courant qu'il veut voyager. Vous voyez, ça va vite déjà. 230 partages, ça va vite. Pourquoi Pan Jansan ne nous dit pas s'il a envoyé, oui ou non, les dollars et à qui il envoyait? Pourquoi il envoyait? Il y a tout, tout est écrit sur le papier à qui il envoyait l'argent. Est-ce qu'on cherche? Pourquoi? Qui nous, quand il dit qui c'est qui pour lui? Parce que j'ai vu, j'ai vu votre reine venir dire ici que on peut envoyer l'argent pour aider, mais on n'aide pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut aider quelqu'un pour tuer. On n'aide pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Non. Il faut nous dire quelle est votre relation pour que tu veuilles aider la personne. Moi, je vais aller sur vos murs. Ceux qui disent qu'ils ont partagé là, ils vont aller sur vos murs vérifier si vous avez partagé. Moi, j'ai le temps. N'oubliez pas ça. Donc, ça fait il y a 230 partages. On tapote, on tapote. Je vais aller vérifier sur vos murs si c'est partagé. Donc, on nous explique ça. Au lieu d'aller contourner, aller chercher les gens au Maroc qu'on ne connaît pas. Dis-nous, est-ce que tu as envoyé l'argent? Oui. À qui? Pourquoi? C'est tout. C'est tout. Et pourquoi le nom de la baronne et de Nia vient de... Bon, si c'était vraiment la baronne qui avait envoyé les gens, pourquoi elle venait encore demander les audios
a compris ça. Si c'est elle qui est derrière ça, elle doit avoir les audios. Elle n'a pas besoin de venir demander à compris ça que donnez-moi les audios. Si c'est elle qui est à la tête de tout le, toute la machination. Ça n'a pas de sens. Ouais, écoute, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Vous essayez de justifier l'injustifiable. Vous essayez de retourner sur... Oui, il avait sa mère, voulait voyager. Et alors? Et alors? Est-ce que ça prouve qu'il a organisé tout ça? Ça ne prouve rien. On sait très bien qu'il veut voyager depuis la nuit des temps. Donc, même si son truc à Noc, l'année prochaine ou le mois prochain, il va encore lancer un autre truc. Tous ceux qui sont au Maroc essayent de voyager tous les jours. Ils arrêtent part... de vivre alors. Maman, tu es en train de faire le truc. On parle, normalement, on partage. Tu as commencé, tu as même déjà presque commencé le live. Non, on n'a pas encore atteint les 500 partages. On est encore à 200. Ils sont là pour les voices, non? Ouais, on va commencer voilà, à mettre les voix. Je vais faire un petit commentaire parce que je ne peux pas allumer ma caméra pour parler de ça. Ça ne me regarde pas. Mais j'essaie de comprendre. Parce que je suis aussi sur la toile, je vois les commentaires des gens et je ne comprends pas leur façon de réfléchir. Oh, l'abbé, ça me voulait voyager. Et puis quoi? C'est aujourd'hui qu'on sait qu'il veut voyager. Martin Goyebga, tu n'as pas partagé, mais tu as rigolé. Donc tu es obligé de partager, sinon tu seras bloqué. Si ça n'a pas changé sur Martin Goyebga, tu bloques Martin Goyebga. La prochaine fois qu'elle va commenter, je vais regarder si elle a partagé. Bloque-moi Lali, Lali. Bloque-moi Lali. Elle n'a pas aussi comment. Elle n'a pas partagé aussi. Elle t'a parlé à l'ambassade, non, baby. Non, même si elle ne parle à l'ambassade, tu bloques. Bloque-moi Lali. Tu me bloques Anne Libanga. Tu me bloques aussi Valoche. Elle aussi n'a pas partagé. Tu me bloques tous ceux qui ne vont pas partager. Là, tu les bloques tous. Valoche a l'habitude de ne pas partager ici. Elle a pris cette habitude-là. Donc, tu me bloques Valoche. Tu me bloques. C'est une abeille, non? Elle pense qu'elles ont tous les... Tu me bloques Valoche. Tu me bloques Anne Libanga. Tu me bloques Martin Goyebga. Voilà. Tu me bloques aussi... Coach, il faut partager ici, hein, parce que tu as écrit là, tu n'as pas partagé. Je ne t'ai pas demandé. Si tu ne peux pas faire ce que je te dis, tu laisses. Quoi? Je ne t'ai pas demandé de supprimer le commentaire. Je t'ai demandé de bloquer la personne. Mais ça marque commentaire supprimé une fois qu'ils sont bloqués. Non, ça marque bloqué. Regarde, moi j'ai bloqué là, ça marque la personne est bloquée sur tout votre... Je ne l'ai pas supprimé, je les ai bannis du live. Ok, ça va, je vais faire ce que tu dis. Pardon, c'est ton live ou bien c'est mon live? J'ai compris, pardon. Je ne te demande pas de les bannir du live, je demande de les bloquer de ma page. Ok, je vais les bloquer alors. C'est même quoi ça? Ouais, mon père, ne te fâche pas. Ce sont les connaissances des réseaux sociaux, j'ai aucun rapport sentimental avec eux. Donc quand il dit bloque, tu bloques. Même si l'abonné m'a pas depuis 5-6 ans, tu bloques. J'ai 235 000 followers, je peux virer au maximum, c'est la qualité qui est importante. De fois, un follower vaut plus que 1000. Les gens qui partagent là sont bêtes. Ouais, non, moi j'essaie même de vous sauver. Après, vous avez dit que je suis méchante. Je vais bloquer mon petit père, ne te fâche pas, pardon. Celui qui a un commentaire et qui n'a pas partagé. Ceux qui même si tu vois que s'il a le nom de mon père, tu bloques. Ceux qui disent qu'ils ont partagé là, si je ne vois pas la flèche partagée, je vais vérifier sur vos pages parce que c'est vrai qu'il y a des erreurs parfois. Je vais vérifier sur vos pages. Si je ne vois pas le pad, voilà, celle qui vient d'écrire qu'elle a partagé là, ici sur sa page, je n'ai rien vu. Donc, je te bloque, ma chérie. Je suis désolée. Voilà, moi, je vais pas avoir les problèmes avec mon gars à cause de vous. L'ordre régnera et le live avancera. On repart à 500 partages. S'il n'y a pas les 500 partages, là, vous aurez le retardement des nouveaux voices. Vous avez fait goûter ça la dernière fois, le retardement des nouveaux voices. On n'a qu'à 250. On a déjà fait la moitié du chemin. Donc maintenant, on relance encore. Vous êtes idiot. Vous voulez des informations, vous le on me demande de partager. Vous pensez qu'on vous prie? Ouais, la pétition. Non, si on n'a pas. La pétition sera lancée une fois qu'on a les 1000 personnes en ligne. La pétition est déjà prête. Moi, la pétition est déjà prête. Voilà la pétition. La pétition a été déposée par la Brigade des Patriotes. Voilà la pétition qui est là.
Nous allons la lancer en direct. Pour l'instant, elle n'est pas encore en direct. Nous allons la lancer en direct. Donc, j'exige mes 500 partages et on va faire les 500 partages. Parce que pour qu'on vous contacte du mal, c'est qu'on vous fait confiance. Pour qu'on vous dise, pour qu'on puisse vous dire des choses, c'est qu'on sait qu'on fait le bon job. Nous allons mettre mon grand frère hors d'état de nuit. S'il y avait des gars qui faisaient ça avant au Cameroun, c'est que Martinez aurait encore vivant. Quelqu'un ordonne l'assassinat, on demande de partager, vous pensez que quoi? Et vous partagez la pétition au maximum. Vous signez la pétition au maximum. Minimum 10 000 signatures. Une fois qu'on atteint les 10 000 signatures, on fait une main courante. Et moi, je vais aller ici pour voir dans quelles sont les mesures. Ça sera, tout sera filmé. Tout sera filmé. Bloc. Élise Ondogema. Elle vient d'arriver. Élise, partage avant de mettre encore un commentaire. Je t'ai demandé si elle vient d'arriver ou pas. Je t'ai demandé de faire quoi? Okay. Je t'ai demandé de faire quoi? Mais si la personne vient d'arriver, je t'ai... Non, ce n'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai demandé de faire quoi? De bloquer. Je t'ai demandé si elle vient d'arriver ou pas. Ok. Maintenant, on va devenir sérieux. On entre ici. Quelqu'un vous commente. Il partage. Il like, il partage. C'est simple. Vous devez mériter de commenter sur mon mur. Et pour commenter sur mon mur, il faut partager. Ça ne sera plus donné à la porte de n'importe qui. Si quelqu'un te respecte, il partage ton live. Quand il te méprise, il ne partage rien. Et il commente. On peut ne pas voir vos partages, mais vos likes, on les voit quand même. Donc, si vous avez partagé, assurez-vous de liker aussi. Les likes, ça, on peut vérifier tout de suite. Donc, il n'y a que 103 likes. Bloque-moi. Bassor Kessem. Tu me bloques online TV. C'est All Time TV. Il n'a pas partagé non plus. Celui qui veut commenter, partage. Une exclamation, partage. Le respect. Et vous pugez avec. Mon live. Tu entres, tu partages. Tu me bloques c'est OLT, le machin, tout là. C'est fait. Voilà. Tous ceux qui veulent commenter dans mon live, partage obligatoirement. Voilà. Mettez-vous là. Attends, je bloque celle-ci. C'est toi qui vas laisser les gens. Non, nous exagérons notre communauté avec le manque de soutien envers les créateurs de contenu. C'est abusé. Bande de jaloux comme ça. Là. On a combien abusé. De partages? On a combien de partages? 294. Ok, il reste 294. Il reste 200 partages. On repart encore. On repart encore. 206. Hein? Il reste 206 partages. Il reste 200 partages. On repart encore. Le Congo, ça, vous allez travailler. Rien n'est gratuit.
rien n'est gratuit. Vous voulez, vous travaillez. Bloquement, Wanekan. Voilà. Est-ce qu'on peut faire live uniquement pour les abonnés? Uniquement pour les ceux qui sont abonnés à la page. Pas abonnés à la page, uniquement ceux qui sont... Comment il va dire? Les abonnés payants. Non, pas payants. Non, les abonnés simples. Non. Non, on ne peut pas faire live avec les abonnés simples. Donc, ça veut dire qu'il faut que je commence à faire le live avec les abonnés payants, alors. Bon. Faut que je trouve une solution pour commencer à faire là avec les abonnés payants. Comme ça, je vais montrer les vraies preuves, je vais montrer tout. Donc, partage. Il reste 200 partages. Il reste 200 partages avant de passer aux nouveaux voices. Et à la décrédibilisation du dernier live de Messan. Il faut que d'autres personnes partagent, pas toujours les mêmes. Parce que quand les mêmes la partagent, à un moment, Facebook les bloque, ça les en empêche. Donc, si vous ne partagez pas, je vais vraiment vous bloquer en fait. Je vais regarder sur ton mur la forme. Parce que quand on vous laisse, quand on vous laisse et qu'on ne vous demande pas de partager, vous ne partagez pas. Je viens dans le live d'Amer Kamer. J'ai envie d'écouter les derniers enregistrements. Il n'y a rien sur son mur. Bloc. Vous devez avoir un réflexe. J'entre dans le live d'Amer Kamer, je commence seulement à partager. J'entre dans le live d'Amer Kamer, je commence seulement à partager. Je ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. J'entre, je fais mes 10 partages, je reste tranquille. J'entre, je fais mes 10 partages, je reste tranquille. J'entre, je fais mes 10 partages, je reste tranquille. Merci Dieu. J'entre, je fais mes 10 partages, je reste tranquille. Nous avons affaire à une tentative d'assassinat qui a échoué. Et vous, vous blaguez. Si vous voulez supporter le grand frère, allez le supporter là-bas chez lui. Quelqu'un qui a déserté sa propre page Facebook. Il l'a déserté. Vous parlez de quoi? Il a déserté sa propre page Facebook. Restreindre sa page pour 6 jours. Je connais Facebook. Il faut que tout le monde partage. Si chaque personne qui est là faisait au moins ses 5 partages, on aurait ce qu'il y a. C'est qu'on est allé loin depuis. Même un seul partage, ils sont 700. Un seul partage chacun, ça va. On aurait eu 700 partages. Un seul partage chacun. Ça fait même pas 30 secondes, c'est déjà là. La vraie sorcellerie. Tu vas aller voir partager là-bas chez les Ivoiriens. Ce sont les mêmes gens qui vont partager chez les Ivoiriens. Ouais, ça se voit, Rose. En 2024, vous devez changer de mentalité. Seriously. Franchement. Donc avant de te bloquer, je prends d'abord celui qui a là, voilà. Je te bloque d'abord toi. Voilà. Voilà.
de te voir. Je peux récupérer mes affaires. Mince. Tu ne peux pas faire la temps que tu ne passes. Je peux, j'ai besoin de mes trucs, non? Je fais comment? Est-ce que tu vois, on voit Marie la régie? Je ne suis pas Marie la régie, elle ne me compare plus aux femmes cocotiers. Je ne suis pas un arbre, moi. Ouais, Michel et Somba, c'est comment, non? Même toi, tu as partagé, voilà. Michou, c'est comment, non? Quand tu lui apparais, dis-moi. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que toi, tu fais la régie? Comment il fait mes lives? Attends, on a combien de partages là-bas? On démarre à 5. Si on n'a pas encore fait les 500 partages. Si on n'a pas encore fait les 500 partages. On reste 100. On a 360 partages. Il reste 140 partages. Il reste 140. Que ça fait le brûler. Je vais arrêter dans deux secondes. Mais tu fais rien là. Non, je suis en train de parler. Quand moi je fais mon live, c'est là où toi tu viens faire. Quand tu fais ton live, tu me vois à ma côté. Ouais, quand tu habitues les gens. Passe pas tes nerfs sur moi. Hein. Quand tu habitues les gens, tu souffres. Voilà, ne passe pas tes nerfs. Moi, tu ne fais pas la régie quand elle fait mes lives aussi. On ne passe pas tes nerfs sur moi. Ouais, c'est ce que tu viens parler jusqu'à. Bon, quand tu habitues les gens. Oui, c'est comme ça. Quand tu habites chez les gens, tu continues, je vais m'asseoir là même. Merde. Laisse moi rentrer chez moi. Moi, parle fort chez moi. Oui, on va aller chez toi. On même va là-bas, je vais parler fort. Chez moi. Oui. Il y a la mis dehors depuis. On va voir. Je vais voir comment tu vas entrer, man. Il faut ramper. bloque-moi, Mélanie, elle n'a pas partagé. Ouais. Attends, je te bloque moi-même. Voilà les gens qui sont là, on parle là depuis. Je te bloque moi personnellement, même. Elle n'a pas partagé. Ok, ce soir-là, c'est les nerfs. Pardon les gars, partagez. Moi, j'ai pitié de vous. Pardon, partagez. Ça me fait mal pour vous. Non, mais attends, peut-être que ça va se passer ici. Vous allez apprendre à respecter la page. Tu veux commenter, tu partages. Tu veux commenter, tu partages. Maintenant, je vais vous bloquer avant le début du décryptage même. C'est là-bas qu'il fallait que je vous demande de partager. Mais j'ai le gros cadeau. J'ai les voices, les dernières voices, où on décrédibilise. Le grand frère avait son propre commanditaire. Je pensais que c'est les blagues. Ouais, c'est au début du live. Tu dois obtenir tes 500, au moins tu es tranquille. Il manque 125 partages, les gars. Il manque des likes. Vous faites comment pour ne pas liker? Ça, c'est la base. C'est tellement facile, ça, liker. Parce que si vous likez, même si certains n'ont pas partagé, il y aura du monde qui va arriver si la vidéo est likée. Comme on a aussi pu le partager. Tu as vu ce qui affiche quand tu viens de bloquer quelqu'un, ça affiche commentaire supprimé, non? Non, mais c'est moi, ça manque bloqué. Voilà. Mais moi, tu cries sur moi. Ici, c'est commentaire supprimé aussi. Ah, ok, d'accord. Voilà. On a crié sur moi partout. Et puis, c'est moi le chef officiel. Ah bon? C'est mon live. Ouais, et t'attends à la régie aussi dans mon live. Eh. Je n'ai jamais vu Marie la régie parler derrière la je régie. Je ne suis pas Marie la régie. Tu ne fais que parler. On doit savoir que je suis chez toi. Je ne suis pas Marie la régie. Je ne me compare plus à elle. Ça a m'énervé même. Je ne suis pas une femme objet. Bloque Alice. Attends, je bloque Alice moi-même. Celui qui ne partage pas est bloqué. Tous ceux qui ne partagent pas et qui commentent sont bloqués. Bella, bloqué. Voilà, tous ceux qui ne partagent. Toi, alors, il te bloque même dans le jeu, même sans regarder un petit peu ce qui se passe. C'est qui? Voilà.
Quand on aura les 500 partages, on repart. Il y a les nouveaux voices. Les nouveaux voices. Les new new. Où on dit qu'on l'a appelé pour faire le montage. Dieu, Tricia, il te bloque. Tu n'as pas partagé, mais tu viens commenter. Allez, bloqué. Voilà. Henri Pierrot, bloqué. Voilà. Je peux poser une question bête. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui partagent, ça n'affiche pas. Non. Non, si quelqu'un passe, s'ils partagent, ils doivent partager sur Facebook pour que ça s'affiche. Non, même sur Facebook, parfois tu partages. Non, 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 tu partages, ça va s'afficher, maman. Il n'y a pas la magie. Pamela a partagé, mais ça ne s'est pas affiché. Pamela n'a pas partagé. Elle t'a vérifié sur sa page. Depuis, elle écrit même là depuis. Elle a partagé. Non, Pamela est d'abord de Camto. Et qui? Que c'est un lard de politique. Non, mais elle est souvent comme ça. T'es mal vérifié. Est-ce que pour elle? Pour elle, ne t'aide pas mal. Je suis sur ton mur. Est-ce que pour toi, t'aide? Pour toi, ne t'aide pas mal. J'ai le temps pour vérifier pour toi, Pamela. Il t'a dit qu'elle n'a pas partagé. Tu pensais qu'elle blague. Voilà ça, non. Tu as dit que Pamela n'a pas partagé, non. Voilà, ça va, sa page, non. Pamela, tu n'as pas la capture sur ta page, s'il te plaît. Voilà ça. Ouais. Est-ce que je discute? Vous êtes amis. Ouais, on a mis, non. Ok. Voilà ça. Voilà ça. Elle n'a pas partagé. Montre. C'est qui ici? Non, ne l'affiche pas là-bas. Merci. Elle met les autres dedans. Elle met les... Voilà, aimer les autres, avec aimer les... Voilà. Tu vas encore dire quoi? Pamela, envoie-moi ta capture. Tu es allé regarder... Voilà, avec... Je suis où? Tu es allé regarder avec ta page, pas avec ton profil personnel. Parfois, avec les... si elle a fermé son compte, tout le monde ne peut pas avoir forcément... C'est pas parce que c'est ta soeur Bafang. C'est pas parce que c'est ta soeur Bafang. Non, je ne veux pas être tribaliste, elle n'a pas partagé. Tu veux me faire passer pour une tribaliste, n'est-ce pas? C'est mon live, on sait que j'habite chez toi. Mais, mais là, c'est que c'est ma soeur Bafang. Hein. Est-ce que c'est faux, elle n'est pas Bafang? Ceux que je ne voulais pas bloquer, là, ils sont Bafang. Elle n'est pas Bafang. Moi, je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu viens chercher ici aujourd'hui, non? Attends que j'ai fini mon live. Hein. Amel, envoie-moi la capture, pardon, on doit fermer sa bouche. Envoie-moi la capture, on ferme sa bouche tout de suite, là. Je n'aime pas ça. Je veux voir ça. Ta soeur Bafang. Et c'est ma part, parlons. Voilà, ça, c'est là devant moi. Je te dis que les gens qui mettent leur compte en privé, tu ne peux pas tout voir. Il n'y a que leurs amis qui peuvent voir. Et toi, tu es allé regarder. Tu es allé regarder. Elle met le compte en privé, quelqu'un la connaît. Elle n'a pas besoin qu'on la connaisse, justement. Voilà ça. Pour ta soeur, ma femme. Hé, hey, Pamela, tu as fuck up. Tu viens de partager il y a 5 minutes. Pamela, tu merci. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Ah voilà ça. Il y a 5 minutes. Tu vas m'entendre seulement que vous... Allô? Voilà, dans quoi, il n'y a pas combien de temps? Tu parles seulement. Tu viens de partager, il y a 5 minutes. Tu as déjà quels sont là? Ce sont ses copines. Hein? Non. Non, non, non. Vous avez ça fait une heure que tu es là. Ya. Non, c'est sûr, ça fait 5 minutes. Ça fait une heure que tu es là, Eki. Bon, écris maintenant dans le live. On attends, écris. Tu vas voir comment ça va apparaître. Écris dans maintenant. Le live maintenant, on voit comment ça va apparaître. Écris, regarde, ça n'apparaît pas. Écris, coucou. Ça apparaît, merci. Ça n'apparaît pas. Ça apparaît chez moi. Ça n'apparaît pas. Chez moi, ça apparaît chez moi, hein. Toi qui as dit que respecte ton gars devant les gens là, attends, il te bloque. Chouine. Toi, tu le respectes trop, tu as partagé. Attends, s'il a partagé, tu ne le bloques pas. Il n'a pas partagé. Bloque-le. Cours, respecte-moi ton gars. Non, bannis-le de toutes mes pages streaming même. Non, banni, ce n'est pas bloqué. Pourquoi lui on doit le bannir? Non, de toutes mes pages. Bah, non, et bloqué, c'est seulement sur une seule page. Mais quand tu bannis, ça veut dire que sur toutes les autres pages, aussi les bloquer. S'il regarde le même profil.
Voilà. On est là, on perd le temps parce qu'on demande aux gens de partager des trucs qu'on ne devrait même pas demander aux gens. Un truc doit être automatique. On a fait combien de temps? Hey, maman, pour partager, vous êtes dur, hein? 1h20. On n'est même pas. On a Hush! 400 partages. Il manque 100. Vous allez me donner les 100 partages là. 20 minutes pour les partages. Parce que tu as commencé vers 50 minutes comme ça, à demander les partages. Vous allez me donner les. Il que Ne me foutez pas la honte, hein? Moi, je vous défends ici. Vous faites quoi comme ça? On vous dit souvent que les traîtres sont dans la team. Tu penses que c'est le mensonge. Vois ta soeur, ta propre soeur. Ta propre soeur. Maintenant, tu ris. Ta propre soeur, Pamela, ne partage pas. Et on veut que les autres partagent. Tu n'as pas honte. Tes frères même sont là, ils partagent. Non, ils commentent. S'ils tentent de commenter, si un de mes frères tente de commenter là, il est bloqué. Ils me connaissent, non? Oh, c'est le problème de tout ma femme. Pardon, mais les partager. Il manque 100 partages, les gars. Il manque 100 partages. On le met. Il manque 100 partages. Les gars, vous savez, vous pouvez partager, vous pouvez supprimer après le live. Supprimer quoi? Non, il y a certains qui sont avocats, qui ont des boulots, Celui qui va supporter Amer Kamer devra. Et maintenant, c'est comme ça, hein? C'est en 2024. Celui qui supporte Amer Kamer devra assumer Amer Kamer. Moi, t'assumes, tu cries sur moi, non? Je suis maintenant. Ça va combien? J'actualise pour voir. 408. Donc, il reste 100 pattes. Ouais, quand vous voulez. Non, ça c'est clair. Je préfère que ceux qui ont partagé, c'est eux qui commentent. Comme ça, le live est sain. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu as partagé. Vous êtes là, vous le même, vous faites le même job. C'est-à-dire que tu sens que tu as partagé, tu as contribué. Imaginez-vous alors. Alors Le là, vous partage est gratuit. commentez. Le partage est gratuit. Mais ils ne partagent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit de haine, l'esprit de jalousie. Voilà pourquoi ils ne partagent pas. Ils ne partagent pas, ils ne likent pas. Ils veulent écouter le gourou, ça. Mais c'est les premiers quand ils sont dehors. Amer Kamer avait raison. J'ai vu comment Amer Kamer a décrypté ça. Tu vois quoi, Amer Kamer, tu décryptes mon savoir et tu ne partages pas mon savoir. Si je partais faire comme toi, c'est que tu restes encore aussi idiot. C'est ça la vérité. On est là pour faire 500 partages. Pour faire 500 partages, on a déjà perdu 50 minutes. Parce que vous ne voulez pas partager. On a l'impression que si on partage, on va enrichir Amer Kamer. On va enrichir la famille d'Amer Kamer. On ne va pas enrichir la famille d'Amer Kamer si on partage. Si tu montres le sang car le son d'une là, tout de suite, là, ils vont partager. Tu parles là. Moi, mon sang car le son, ils ont partagé ça partout. Genre. Quand le criquet m'insultait là-bas, vous avez partagé une genre. Donc, tu profites de mon live pour l'insulter. Elle même t'a pas insulté. Je Ouais. m'exprime. Elle m'a pas insulté. N'est-ce pas? C'est dans ma bouche qui parle. Mais Edwin, c'est parce que tu n'as pas partagé. Ma femme te bloque parce que tu ne partages pas. Et là encore, tu n'as pas partagé. Quand je vais encore te bloquer, tu vas encore dire que ouais, la mère qu'avait m'a bloqué. Voyez comment je subis.
Je me bats ici pour qu'on ne les, on ne les, on ne les bloque pas. Hein. Mais ils viennent, c'est toujours moi qu'on accuse. C'est incroyable. Attends, Gabriel, au revoir. Toi-même, ta vue, on ne veut pas. Pas avec ta vue. Choigne. Et vous allez voir, quand on reste avec des gens sains, des gens propres, vous voyez que ça coule seul. Il est minuit 30, vous êtes plus de 700. Vous voulez les nouveaux... Attends, je vais vous faire goûter un peu les nouveaux audios. Les audios que personne n'a, personne. Mais Alice, j'étais bloqué parce que tu n'as pas partagé. Mais ils font comment pour écrire si tu les as bloqués? Ce sont mes gens en plus. Hein. Bah oui. Toi, c'est souvent qui? Ils font comment pour commenter? Yuanda même. J'obéis, c'est pas moi. On a combien de partages? Vous êtes plus de 700. Attends. Il y a laissé ça à 408, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas. 408. Bon, il reste 50 partages. 444. Il reste 50 partages. Tu vas aussi bloquer les commandes, mon goût. C'est vrai. Je demande si tu vas le bloquer. Voilà. Coucou des coms. C'est lui. C'est un faux compte. Non, c'est un faux compte. Il reste 5. Il dit que je veux les 500 parts. Il va me donner les 500. Il ne blague pas. J'ai ce que vous voulez. Tu es avec les gens. Ne veux pas partager. Merci, Rose. Attends, je cherche ma pince, excusez-moi. Je continue à insulter ici. Waka. C'est quand je fais mon live que tu viens. C'est là où tu fais les bruits partout. Donc il reste 50 partages et après on se lance.
Ça ne nous fait pas honte. Ça ne vous fait pas honte. Qu'on doit vous forcer pour partager quelque chose qui est gratuit. Comment vous voulez être riche? Comment vous voulez être riche? Si donner gratuitement, ce que vous avez reçu gratuitement, si donner ça gratuitement vous pose un problème, comment vous voulez être riche? Si le simple partage sur ton téléphone, tu veux écouter quelque chose, la télé que tu regardes, tu la payes. Tu payes la redevance télé. Moi, je ne te demande pas l'argent. Ceux qui aiment bien apprécient ce que je fais, ils ont l'abonnement, ils prennent l'abonnement 5 euros par mois sur la page d'Amer Kamé. Et ça me va. L'abonnement, tu ne prends pas. Mais tous les jours, tu es dans mes lives. Tous les jours, tu es dans mes lives. C'est avec mes lives que tu tapes les commentaires dehors avec les membres de ta famille. Je te demande juste de partager. Tu déclenches en toi ce qu'on appelle les séquelles de la pauvreté. Parce que je ne suis pas croyant. Même dans la Bible. Si tu veux être riche, apprends d'abord à donner. Apprends d'abord à donner. Si tu veux être riche. C'est simple. C'est toi qui ne donnes pas. Tu ne partages pas. Mais tu veux être quelqu'un. Je fais beaucoup de choses. Regarde un truc simple. La reine galloise était dans mon village aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Grâce aux réseaux sociaux. La prochaine fois qu'elle va descendre, elle va dire, maman, je vais te charger le plantain dans la voiture pleine. N'oublie pas, elle va te charger le plantain. J'ai son numéro là. Pour que moi, mère, ta mère, je puisse être en haut, je dois apprendre à donner. Je donne de mon temps, de mon intelligence. Pour que le grand frère soit mis hors d'état de nuit. De ma sagesse. Je préfère avoir 10 followers. Je préfère avoir 10 followers. Plus efficace que 1000. Que d'avoir les... que d'avoir les Nyamangolong là. Quand on vous demande de partager, vous pensez que c'est un luxe qu'on vous demande? Tu ne partages pas pour moi. Tu partages pour toi. La télé que tu payes actuellement, elle éteint. Le show que je fais là, c'est le show là que tu aimes. Mais la télé que tu payes, elle éteint. Netflix que tu payes, tu ne regardes pas. Parce qu'un mec quand même vaut plus que Netflix. Amen, quand même, je côtoie le réel. Mais quand même, te demande de partager, je ne partage pas. Certains sont à la fenêtre. Je ne partage pas. Mais tu vas être élevé. Mais tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même. Le gars a écrit quoi en anglais là-bas? Speed up the talk. T'as dit quoi? Parle vite. Bloque-le. Mon monsieur, juste bon. Il faudra savoir, dans la vie,
Apprenez à donner. Apprenez à partager. Ne soyez pas jaloux du succès des autres. Si ton grand frère Andem, on le lave là où il est Andem. Il est 1:32. On ne vous demande pas, on vous oblige de partager. Normalement, quand j'entre quelque part, l'hôte de la maison dit, partagez. Mais va partager. Si je ne veux pas partager, mais quitte. Quitte de là. Quitte de là tout simplement. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de souffrir. Si tu n'aimes pas Amer Kamer, pourquoi restes-tu là? Pourquoi restes-tu là? Si tu n'aimes pas Amer Kamer, vas-y. Désabonne-toi de ma page, va. Si lundi tu es bien, je suis derrière toi. Si mardi tu n'es pas bien, je quitte derrière toi. Je ne fais pas partie de ce qu'on appelle un suivisme moutonnier. Ça ne me ressemble pas, je ne fais pas dans ça. Nous avons affaire à quelqu'un qui a organisé une tentative d'assassinat. Et nous devons lancer la pétition. Dis ça que ça tombe bien comme tu es là. On était amis avant quand il y avait les casses. Dis ça que on était amis avant quand il y avait les casses. Je vais te montrer une photo. J'ai une photo pour toi. Ça tombe bien comme tu es arrivé là. Oh, épingle-moi le commentaire de Dis ça que. S'il te plaît. C'est même comme avec toi. J'ai oublié de te dire s'il te plaît. Quand il était tu me dis s'il te plaît, Nias, moi. Oui. C'est pas possible. Hey. Les hommes qui habitent chez les femmes, font comment, mais. Donc, moi, il était Nias pas aussi. Dis, quand je me demande de tu me dis s'il te plaît. Moi, il était Nias pas aussi. Pas possible. Merci. On dit de rien. De rien. Dis ça que. On était amis avant. On était amis avant. Quand il y avait les problèmes. Souviens-toi de ton passé. Hein? Les gens m'ont tabassé. À cause de ta soirée d'Isaké, on m'a tabassé devant toi. Parce qu'il venait défendre un promoteur de soirée. Tu te rappelles, Bendeka? Tu te rappelles? Mais aujourd'hui, tu nous as mis de côté. C'est le roi de Paris, non? On va faire comment? Tu es le roi de Paris à moto. On va faire comment? Quand on t'appelle, tu dis seulement qu'à moto, il s'est là, il s'est là. On est là. Je te regarde. Tu as fait la soirée avec. C'est lui qui a fait la soirée. C'est le promoteur qui a fait la soirée avec Flo. C'est lui qui a fait la soirée avec Flo. Et quand la base m'avait tapé en Nanterre, c'était à sa soirée. Quand tu avais quoi? Quand la base m'avait tapé en Nanterre. Pourquoi? Ouais. Quand tes frères Bamleke. Quand tes frères Bamleke m'ont tapé en Nanterre. Ils t'ont loupé, joue avec moi. Joue avec moi, tu vas voir ce qu'ils vont te faire et tout. Pardon, l'autre a encore écrit un commentaire là. Pardon, Moura, partage, s'il te plaît. Elle écrit quoi en anglais? Amé Oshiga, comment vous allez? Je vous regarde depuis Washington DC. Donc, parce que tu ne regardes plus Washington DC, tu ne peux pas partager. Ouais, un peu de douceur, chérie.
Partage, ma belle, s'il te plaît. Les nouvelles règles, si tu ne partages pas, on va me demander de te bloquer. On m'a coupé la chandelle chez Jistake, non? Pim, les gars m'ont tabassé là-bas. Depuis, son numéro est encore dans mon téléphone. Ok, son, j'ai encore sonné. J'ai toujours ton numéro. Hein. Moi, je ne suis pas comme toi. Oh. J'ai toujours ton numéro, Elbiaz. Voilà. J'ai toujours ton numéro. Je ne... Ok. Parce que moi, je ne suis pas le genre de gars qui oublie. Moi, je n'oublie pas mon passé. Hein. Mais, quand il reste comme ça, il dit que mais, tu es venu premier présentateur international de soirée ici à Paris. Je regarde, j'observe seulement que... Thank you, Moura. Le boss des soirées de Paris organise la soirée. Même pour dire quand même, c'est comment, viens quand même. Tu sais que moi, je n'ai pas l'argent pour entrer dans les soirées. Mais par contre, je peux te faire la pub. Non. Tu nous des mots banques. Moi, justement, là, j'observe. Quand il était vu sur l'affiche, dis ça que... J'ai partagé sur mon mur, non. Mais, Renke ne sait pas que je te connais beaucoup plus longtemps. Quand c'était chaud dehors, c'est nous qui encaissons. Mais reste toujours tranquille, je ne parle pas. Je reste toujours tranquille, je ne parle pas. Continue à contrôler les soirées de Paris. Voilà le 31 qui arrive. Et pourtant, tous les plus Bendy l'a fait Bendika, c'était plein. La campagne que j'avais faite sur la soirée de Jisake, on avait l'impression qu'il m'a payé. On me tapait une job comme ça là. Au moins, tu as au moins su qu'il y a encore les gars vrais. Il y a encore les gars vrais. Quelqu'un dit qu'il est derrière toi. On était engagé derrière. C'est comme si nous avions payé. Un job comme ça là. Et pourtant, c'est-à-dire que ceux qui ont subi la soirée n'ont pas été payés. Rien, rien. Même un jour que Jisake dit que bon, Amer, quand même, viens quand même, on prend une petite chose, quelque chose ici dans en plein. Viens, il t'invite dans un restaurant à Paris. Rien. C'est toi qui organise les soirées un peu. C'est moi, je suis le blogueur. Tu organises, moi, je suis blogueur. Moi, je dis que je suis quelqu'un, je suis une plateforme publicitaire. Il faut m'aider. Je vais vous montrer une photo souvenir. C'est nous qui subissons toujours. C'est les autres qui mangent toujours. Pendant qu'on subit, les autres mangent. Pendant qu'on subit, les autres mangent. T'en as un jour, hein? Un jour, vous allez lire. Tu vois, alors que tu me donnes le travail, voilà tes fans qui sont dans mon inbox avec les captures qu'ils ont partagées. Débloque-le, non, s'ils ont partagé. Voilà, maintenant, c'est encore mal. Mais c'est parce qu'ils partagent après. Non, elle avait partagé après. Regarde ce que l'autre a fait tout à l'heure. Oui, peut-être elle, mais celle-ci avait déjà partagé. Puisque maintenant, ça montre indisponible. Et ça montre indisponible chez elle parce que tu l'as bloqué déjà. Ok. Je vais vous débloquer vous tous là qu'on a... Ouais, il me donne le travail. Disakata, il te montre la photo là. Ok. J'ai toujours la photo là. La photo qu'on a pris ensemble là. Hein, Disaka, j'ai toujours la photo qu'on a pris ensemble là. Quand toi, tu avais encaissé l'argent, on a encaissé les bastonnades. J'ai toujours la photo là. Là. Lis son commentaire. Qu'est-ce que ça? Est-ce que nous avons les relations comme le gars là? On n'a pas les relations comme dit Sakai. Le roi de Paris. Un tara. Le dehors est dangereux quand même. Je confirme que le dehors est dangereux. Un bon. Le dehors est dangereux, le dehors est méchant. Si tu n'es pas prêt, ça goûte avec toi. Il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci, frangin.
On va t'envoyer la photo là, Ibi. Si tu n'as pas changé de WhatsApp, hein, pas bon, j'estime que tu ne peux pas changer de WhatsApp. Si tu n'as pas changé de WhatsApp, bon, demande à Reine qu'elle va t'envoyer mon WhatsApp, il n'y a pas de souci. Bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, je vous disais que... Je vous disais que dans la vie... Des fois, il faut être humble. Il faut vraiment être humble comme les noms, comme ça là. Où est-ce que je veux dire? Il faut vraiment être humble. On n'est pas blogueur pour se la raconter. On est blogueur pour dénoncer ce qu'on peut dénoncer. Ce qu'on ne peut pas dénoncer, on laisse. Mais ne pensez pas qu'on est là pour porter les fardeaux de beaucoup de personnes. Non, on a nos familles. On a beaucoup de choses. On a aussi beaucoup de choses. Il y a des gens qui comptent sur nous. Donc, on vient dans les réseaux sociaux. C'est pour donner notre part de connaissances. Mais on n'est pas obligé, comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'avoir raison. On peut se tromper. On peut se tromper. Personne n'a le monopole de l'intelligence ou bien le monopole de la chasse ou bien... Non. Moi particulièrement, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Un autre n'est pas plus intelligent que moi. Mais quand, il faut qu'on se dise des vérités. Quand nous sommes dans la diaspora et qu'on a des gens qui demandent à ce qu'on n'aille tuer leur propre frère camerounais. C'est-à-dire qu'on engage des Camerounais pour tuer des Camerounais. À partir de ce moment, Marcel, Manaï, tu ne partages pas. Et aussi, tu ne partages pas. Mais pour répondre à Dissake, tu viens par écrit ici. Fais attention, hein. Osengi. Fais attention. À Bouanjo. Donc, on revient sur notre affaire. La pétition, on va la lancer devant vous. La pétition, on va la lancer devant vous. Voilà. Accélérer la campagne, mise à jour, commentaire, je signe. Attends. Voilà. Bon. Voilà. Voir la pétition. Attendez, je vous fais voir en direct aussi. Je vous fais voir la pétition en direct aussi. Donc, la pétition, elle est là. La brigade des patriotes camerounais, par le biais de son président, lance cette pétition pour sensibiliser l'opinion publique internationale de la tentative d'assassinat et de séquestration de l'influenceur et l'abbé Samé par Jean-Louis Messin. Avec le code promo, le code assassin 1995-91-85, le commanditaire de cet acte.
Suite à la rupture de leur contrat entre les deux influenceurs, Jean Lumessan décide de ridiculiser son collègue influenceur, l'abbé Samé, dans les réseaux sociaux. Celui-ci décide de riposter en versant dans les réseaux sociaux tous les échanges sur leur mode de travail et de fonctionnement. Jean Lumessan, ne supportant pas ces vérités, décide de financer son assassinat, son kidnapping, via des commanditaires installés au Maroc. Raison pour laquelle nous lançons... Attends, je modifie ça parce que c'est marqué, non, attendez... Commanditaire, c'est pas lui. Hein? Non. Personne. Tu as mis commanditaire, c'est lui le commanditaire. Oui, c'est pour ça. Non. J'ai fait une. Attends, j'ai fait une modification sur le truc. Attends. Bon. Raison pour laquelle nous lançons cette pétition pour éradiquer ce monsieur Jean Lumessan dans les réseaux sociaux et pour soutenir nos plaintes et informer au follow la dangerosité de ce monsieur. Je vous remercie davantage de liker, de partager massivement cette pétition. Je vais d'abord modifier la pétition parce qu'il y a des erreurs. Modifier. Ouais, modifier la description. Je vais même modifier. Voilà. Voilà pour nous là. J'ai pas... Ah non, je vais le. J'ai comment. Nous lançons, voilà. Raison pour laquelle nous lançons cette pétition pour éradiquer ce monsieur de Jean-Louis Messin dans les réseaux sociaux et pour soutenir nos plaintes et informer à l'opinion et informer aux followers avec... au follow de la dangerosité de ce monsieur, je vous prie de bien vouloir attendre. Voilà, ok, sauvegarder. Voilà, on va voir la pétition. Copier le lien. Voilà, je ressors de là. Je viens à ce niveau-ci. Je viens. Je pose le lien là. Donc, c'est l'association La Brigade des Patriotes Camerounais qui lance la pétition. Et pour accélérer, il nous faut minimum 10 000 signatures. Et avant de signer cette pétition, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Martinez Zogo. C'est parce qu'on partait prendre les téléphones de Martinez Zogo qu'ils l'ont assassiné. Aujourd'hui, des gens sont en prison. Quand vous entendez les montants où on assassinait Martinez Zogo, quand vous entendez les montants où on assassinait Martinez Zogo, à partir de cet instant, ça vient d'être publié. Voilà, c'est en train de charger. On payait les gens 100 000. Voilà, la pétition est là. Je like la pétition, moi-même d'abord. Tac. Et je partage la pétition sur voilà un groupe. Voilà. Mon groupe n'apparaît pas. Genre, la pétition est déjà en ligne sur ma page. La pétition est en ligne sur ma page. Voilà la pétition. Vous arrivez, vous cliquez juste là, tac. Et vous signez la pétition. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, je crois, si vous ne savez pas signer une pétition, demandez. Voilà, je vais prendre un temps. Je vais mettre là. Tac. Donc maintenant, on va accélérer les choses
Ça ne va pas. Et c'est pour que ça ne se répète plus jamais. Tous ceux qui menacent. La page, c'est Joseph, sa mère. Enfin, je sais pas. Mais c'est pas la page qui a été mise en danger, c'est la belle sa mère. Donc, ouais, il faut mettre son nom en fait, pas le nom de la page. C'est Joseph Samé. Ou la personne de Joseph Samé. Ou la page de Joseph Samé, pareil. Et tu viens de dire ça ici, pourquoi qu'elle est en live? Ça fait quoi? C'est qui en live? Vous avez vu comment c'est. Dans ses audios, il parle de correction. Voilà, dans les écrits aussi. Est-ce qu'il parle d'assassinat? C'est la même chose. Voilà, vous voyez. Donc, on voit, j'ai fait la première signature. Et quand vous allez voir, ça va vous marquer ce truc-ci. Voilà. Donc, tout le monde, nous allons signer cette pétition. Moi, je n'arrive plus à accéder aux commentaires du Marcel là. Tu vois le Marcel qui a écrit en bois là. Ouais. Il faut le bloquer. Attends, je vais le bloquer avec ce. Parce que comme moi j'étais sorti, je n'arrive plus à remonter dans les anciens messages, commentaires. J'essaie de débloquer les gens qui avaient partagé là en fait. Bon, la pétition a été lancée, donc du coup, à partir de maintenant, minimum 10 000 signatures sur cette pétition. 10 000 signatures. On partait arracher les téléphones de Martinez Ogo et les informations de Martinez Ogo. Ils l'ont tué. Le grand frère a payé 100 euros pour qu'on lui donne une bonne leçon. Ça pourrait être un assassinat, un kidnapping. Ça pourrait être quelque chose. La pétition est lancée. Maintenant, cette pétition doit se pavaner au maximum. Une fois qu'on a les 10 000 signatures minimum, on passe à l'étape supérieure, dépôt de plainte. On va faire ce qu'on appelle... Parce qu'à Paris, il y a une police spécialement pour ça. On va l'appareil, on dépose. Une main courante. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, mais il faut d'abord que la plainte avance. Là-bas, il faut d'abord que la pétition avance. Une fois que la pétition va avancer, on prend ça, on amène ça là-bas. Et on voit comment on va faire son éradication dans les réseaux sociaux. Parce qu'avec les preuves que nous avons, normalement, il doit être éradiqué dans les réseaux sociaux. On parle d'une histoire d'assassinat. On a payé des gens. On a payer des gens pour le faire du sale. Donc, de mon côté, je viens de lancer la pétition. Une fois qu'on va atteindre les 10 000 signatures, on fait, je ne sais pas comment ça va se passer à la cybercriminalité, on va aller là-bas, on va voir, on va donner tout son matricule, toutes ses pages Facebook, tout. Ils vont voir, ils vont décider là-bas s'ils vont paralyser cette page ou pas, s'ils vont l'envoyer une convocation ou pas, ils vont tout décider là-bas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais nous allons procéder. Allez nous attendre au Cameroun. Nous, on règle votre focop ici en Bénin. Au Cameroun, tout le monde a les relations. Tu m'arrêtes à 16h, je sors à 17h. Il t'arrête à 19h, toi tu vas sortir à 20h. C'est tout le monde a les relations au Cameroun. Mambeng, ce n'est pas le cas. Donc, signez massivement cette pétition. Attends, je vais voir si je peux... Je vais épingler la pétition. Je vais l'épingler sur le live. Je vais prendre la pétition, voilà, copier. Je vais venir dans le live, tac.
épingler. La pétition, elle est épinglée. La pétition, elle est déjà épinglée sur le live. Donc, partout où vous allez lancer vos lives de dénonciation, vous épinglez cette pétition. On va commencer les choses sérieuses. À un moment donné, quand on sort du cadre des réseaux sociaux, il faudra que les gens se pensent. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Oh, je vais te faire. Et si tu finances, on va te suivre juridiquement. Commence à préparer. Commence à négocier comment est-ce que tu vas prendre des avocats. Parce que ce que je viens de lancer là, ce que je viens de lancer là, tu n'auras plus Facebook, Instagram, tu seras banni des réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe. Tu seras banni des réseaux sociaux. Mais pour ça, il faut qu'on vienne avec des preuves. Maintenant, ce que je vais encore faire pour corroborer tout ça, je vais coller tous les voices. Tous les voices, je vais les coller sur cette affaire. Les transferts d'argent, les communications WhatsApp et le numéro de téléphone. Et je mets à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Donc, là où vous êtes là, le lien de la pétition est en bas. Partagez massivement cette pétition. Que vous soyez aux États-Unis, au Cameroun ou en Europe, la pétition, elle est internationale. Tout le monde devra savoir. Il y a une tentative d'assassinat, séquestration. Et je ne sais pas quoi d'autre ils avaient préparé pour lui. Les gens disent que non, ils ne voulaient pas. Non. Il a payé l'argent pour qu'on le fasse le travail. Il a payé l'argent pour qu'on fasse le travail. C'est une tentative d'assassinat, peut-être. C'est une tentative de kidnapping, peut-être. Mais il y a un commando qui était programmé pour ça. Quoi? Tu as fini au poisson là? Je débloque Alain Tchamon. Alain Tchamon, non, laisse le bloquer. Je débloque pas Alain Tchamon. Je veux finir par ça. Comment? Je n'ai pas le droit de me nourrir. C'est même pas le poisson, c'est la viande qu'on n'a même pas encore cuisinée. Après, on va dire que c'est moi qui t'empêche de manger ici. Mais est-ce que tu t'occupes de moi? Est-ce que tu t'occupes de moi? C'est ça, se voit. Regarde comment il est plaisir, mais elle maigrit. Regardez-vous. Tout le monde voit qu'elle maigrit. Je vais rentrer chez moi, maman. On va rentrer chez nous à Brive. Hein? On va rentrer chez nous à Brive. Les enfants vont aller à l'école comment? Ah, c'est ton plan, hein? Ouais. Donc, je pense que nous ne lançons pas les cachams. Non, ne lance pas le cacham. Il y a 700 personnes qui sont là. La pétition est là. Vous signez, vous partagez. Vous signez, vous partagez. Vous signez, vous partagez. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est faux, apportez-nous les preuves. Apportez-nous les preuves. La pétition est déjà engagée. Il nous faut minimum 10 000 signatures. Une fois qu'on appelle les 10 000 signatures, je m'en vais à Paris. La cybercriminalité. Je m'en vais faire ce qu'on appelle. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, mais je vais faire de mon courant et pour dire comment ça va se passer. C'est comme ça que ça va. Comme ça, on va faire ça. Au calme. Et après, il sera convoqué. Je ne sais pas comment ça va. Ils vont manigancer ça là-bas. Mais cette affaire, on va suivre ça de très près. De très, très, très près. Les histoires que vous avez le temps de menacer les gens.
dans les bac-bac. Grand frère, je t'avais dit, mal moulou, mira et wabiso, tu vas courir dans le sac de piment. Tu vas courir dans le sac de piment. En attendant, il est minuit. Il y a Patricia Mel qui est en ligne. On va tous se partir, mais peut-être un bon Congo, ça nous dit là-bas. Merci.